Bon matin, vlog bon jour matin. 11, hein? Ouais. Vlog jour 11. Alors, on vient de se réveiller, puis Cyril veut manger des petits fruits avec de l'eau de coconut. Fait que c'est la première fois qu'il va goûter au persimmon. Je sais pas si c'est en français, persimmon, en tout cas. J'ai jamais vu ça. C'est comme une genre de tomate orange, là, je sais pas trop. Moi, j'ai déjà goûté à ça. Puis je sais pas à quel point, je sais pas vraiment comment choisir, comme, s'ils sont mûrs ou pas, là. Mais je pense qu'il est correct. Ok. Ouais. J'ai goûté à ça. C'est bon. Ça ferait du temps, je me demandais si t'aimais ça ou pas. Ben, je me demandais, je vais goûter pour de vrai. T'aimes ça? Mm-hmm. La pleure est dure un peu, par exemple. Mais elle se mange. Ouais, non, ça se mange. Ouais. Mais juste que quand tu craques, c'est juste dans la pleure qui se promène. Là. Avec un couple de fois. Ok. Fait qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment de gros plans à part en soirée. Faut apporter ma mère à un de ses rendez-vous. Je sais pas c'est quoi exactement, là. Un rendez-vous à Longueuil. Puis on va aller voir un de nos amis à son travail. Pendant ce temps-là, pendant qu'il est au rendez-vous. Alors, je vais aussi renvoyer mon manteau aujourd'hui. Fait qu'on va faire ça tantôt. On va prendre marche avec Didi encore. Ouais. Quoi d'autre? Avec ses nouvelles bottes. Ouais, c'est une nouvelle botte qu'on a achetée hier. À l'animalerie. Ok, alors je vais, comme j'ai dit hier que j'allais me maquiller avec vous, ça je fais. Alors je vais commencer, je vais mettre un primer. Celui-là c'est le Hangover Too Faced. Puis je vais utiliser ma nouvelle couleur du Born This Way, l'affaire là en tout cas. La différence apparaît pas tant. Ça, c'est mon ancien. Ça, c'est mon nouveau. On le voit un peu en personne. Ouais, on le voit. En espérant que c'est la bonne teinte, là. C'est sûr, en magasin, c'est tout le temps différent. Leur lumière. Je sais pas pourquoi j'essaie de l'ouvrir comme le fond de teint, Born This Way. Ça, j'aime ça mettre ça, là, pour comme au lieu de mettre du fond de teint. J'en mets juste un peu partout. Puis ça vient. Faire une couvrance naturelle, là. C'est quand ça me tente pas d'être trop maquillée. Des fois, ça me tente juste pas. Fait que c'est comme les endroits que j'en mets, là. Comme ça environ. C'est vraiment mieux que celle-là que j'avais. Ce que j'ai sur l'éponge, je fais juste comme ensuite l'en mettre un peu partout. Avant de retourner à la maison, je veux vraiment aller au cinéma voir le film de Queen. Bohemian Rhapsody. J'adore Queen. Quand je faisais de la danse, avant je faisais partie d'une troupe de danse, je me souviens deux de mes amis, ils avaient fait un duo sur Don't Stop Me Now. Puis c'était vraiment bon. C'est sûr que je connaissais Queen avant, mais cette chanson-là, je l'avais jamais entendue avant leur danse. Puis il y a le film aussi Ella Enchanted, là, que je trouvais ça tellement cool quand elle chante Find Me Some. Ben, Find. La tune c'est Somebody to Love. Mais là, il y a comme tout des. C'est comme un film un peu comme à la Cendrillon, là, avec Anne Hathaway. Puis, il y a comme la scène où elle chante ça, ils sont avec des géants, genre, puis là, les géants sont là, Find Somebody to Love. En tout cas, je suis pas vraiment une bonne chanteuse, là. Je devrais pas être en train de chanter devant vous. Là, je vais juste mettre un peu de poudre, pas trop. C'est le Hourglass Veil. Juste un petit peu parce que sinon, ça vient. Ça commence à avoir de l'air un peu trop maquillé, tu sais. Des fois, là. Fait que c'est surtout sous les yeux que je vais en mettre. Puis les endroits où, que, au cours de la journée, mes rides commencent à comme transformer le maquillage, là. Fait que mes lignes de sourire ici, là. Ça change au cours de la journée. Chaque barre. Puis ce qui me reste au pinceau, je peux monter sur mes joues puis menton, là. Juste pas autant.
Puis un peu dans le front aussi parce que j'ai mon une genre de ligne là, de front que je vous disais là, avec le botox puis tout là. En tout cas, mes cheveux sont un peu fous, mais ça me tente pas de les raidir ou de les arranger trop. Je vais mettre un peu de bronzer, mais vraiment pas beaucoup. Je vais prendre mon nouveau blush. Là, j'avais juste apporté un pinceau à blush. Là, fait que je vais essayer d'enlever l'excès de ma couleur normale. On va les comparer, voir. Fait que ça, c'est Seduce, celle que j'utilise depuis très longtemps. Et ça, c'est mon nouveau. Fait qu'on voit qu'il est vraiment moins rose. Le nouveau, il est moins rose que ce que je porte habituellement. Moi, j'aime ça porter ça sur les tempes, comme vous le savez. C'est beau. C'est, comme j'ai dit, là, c'était comme un peu plus comme une couleur bronzée, là. J'aime ça. Sur le nez aussi, là. J'aime ça dans le même. Ouais, c'est une belle couleur, j'aime ça. Yes. Ok. Ce qui est ça. Je vais faire les sourcils. Hey, où mon nouveau rouge à lèvres? Ah, oh, il est là. Ok. Mes sourcils sont gros, mais ça me semble aujourd'hui. Iiii. Brave. Je vais commencer avec le gel à sourcils coloré. Je vais juste me brosser. Puis l'autre affaire, l'autre truc, c'était comme un crayon pour venir nettoyer la bordure. Oh my god. J'aime pas ça, il est comme trop pointu là, j'aimerais ça qu'il soit plus plat. Un jour il va l'être. Ok. À date, c'est vraiment laid. Faut juste que j'expérimente plus avec là. Un jour je vais l'avoir sur le haut. Quelque chose de même, on va dire. Sérieux, ce sourcil-là est bizarre, regardez-le pas. Ensuite, ce qui me reste. Je vais pas faire de wing. Ou peut-être je vais mettre un peu de brun. Après ça, il manquait le. C'est comme la partie que j'ai le plus haute, là, c'est pour ça que je l'ai gardé quasiment pour la fin. C'était le. Highlight. On va voir que ça a l'air. Celle-là, on dirait qu'on le voit moins. Juste la lumière, là. Dernière chose, le rouge à lèvres que j'ai acheté. Ok, fait que c'était ça mes nouveaux produits. Bon. Ben, un autre film que j'ai pleuré en tout cas. C'est vraiment bon. Après des films genre style. Je sais pas si c'est style documentaire, là, mais genre des biopics, là, des histoires de vie, là, ça me donne tout le temps le goût d'aller écouter toutes les vidéos YouTube, aller voir genre tout ce que comme ce que les vrais gens avaient de l'air. Ouais. Comme sa blonde, genre, je veux aller voir qu'est-ce qu'elle avait de l'air. C'est vraiment bon. Ouais, c'est vrai. C'est très bon. Ouais. On pourrait même. Je veux aller écouter genre toute la performance de Live Aid. Ouais. Ouais, voir c'est comment ils l'ont fait. Même si je l'ai déjà vu plein de fois. Ah ouais? Ouais. Ok. Alors, le temps il a passé beaucoup, là. On est revenu à la maison après le cinéma. On a passé un peu de temps avec Didi et les chats.
On est allé ensuite au rendez-vous à ma mère. On est allé voir notre ami. Puis là, enfin, on s'en va souper au Portovino, un de mes restos préférés parce que j'aime la bouffe italienne, comme vous savez probablement. Alors, c'est là qu'on s'en va. Manger! On va faire nos advent pour dessert parce que on n'a pas commandé dessert, on était tous ben trop plein après les pâtes, puis même qu'on a ramené à la maison. Quasiment trop plein pour advent. Ben non. Puis, ah oui, puis un petit update là, pour mon advent chocolat favori. Je l'aurai pas. Ben je vais l'avoir, mais juste beaucoup plus tard. Là, ça cause que. C'est quoi, des grèves, genre? Ouais. Il y a des grèves post-Canada, là, fait. En tout cas, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave, là. Je vais juste avoir plein de chocolat quand j'arrive à la maison. OK, jour 11. Didi, t'as pas le droit de manger ça, tu sais. Didi, essaie même pas. Ah, c'est une maison? Petite cabane. Wow! Oh non, 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 non. Alors, on va aller se coucher. C'est vrai, il s'est endormi sur le divan, là. Fait que je pense que c'est le temps. Il faut vraiment une nouvelle caméra, là. Il y a de la misère. Mais ouais, fait que je vais voir demain. Demain, on s'en va se faire masser. Oh, j'ai hâte aussi, hein? Certain. Ouais, fait qu'on va aller se faire masser. Puis, vu qu'on n'a pas été au Bug Burn aujourd'hui, on va y aller demain, sans faute. Alors, à demain! Get out of here! Vlogmas jour 12. Alors, on n'a pas encore parlé de la journée, moi, vous et moi. Mais on a eu une journée pas pressée, là, mais on avait beaucoup de choses à faire. Et j'ai pas filmé au spa, évidemment, là, mais on est allé au spa, on s'est fait tous les deux masser, puis c'était vraiment nice. Puis là, on est en train de faire du chili. Et on est allé au Bulk Burn, la commission qu'il fallait faire, là. Ma mère, elle voulait du stock, puis nous autres aussi, on en voulait. Plein d'affaires, en tout cas. Et. Je sais pas. C'est ça la journée. Puis ce soir, on n'a pas d'autres plans. Ma mère est encore au bureau, là, puis comme 7h moins quart.
Femme, vite en là. Vite en main. Puis là, ça m'a pas tenté d'éditer depuis un bout de temps, là. En passant, j'ai acheté ça au Bug Burn. Des M&M de Noël avec les arachides dedans. Mmh. Mais ouais, j'ai pas édité. Je tente pas dans mon editing. Va falloir que je fasse ça à soir. Ouais, à soir. Hey! Arrêtez de vous battre! Dédé!